Bonjour bandeko nyonso bazolanda biso partout na monde entier ba nyonso ba soutenir ki Abbé Chole na batake côté la ki e. Merci Abbé Chole de retour parce que politique minute e komi elengi makasi toko kanga minoko na biso te toko fanda niete. Merci na ba soutien ya bato nyonso ba soutenanga potoko ta radio toko ta scanner ba docteur Batali me ba pesi conseil moko. Na zwakata mingi ya repo na ganga ka mingi te po elinge sala mutu e deranje de retour biso to yesikoyo po politique komi elengi makambo komi ko sale ma politique komi elengi e sengeli to bimato loba parce que to za ba communicateur officiel to bi sa peuple congolais situation ya politique na kati ya République démocratique du Congo. Merci une fois de plus na bande konyoso bazaki ko soutenir biso. Merci Ebele na ba soutien na bino. Tomoni vraiment que tozala mitem na mitema na bino. Les secrets de la démission de Benoît Luamba qui est le président de la Cour constitutionnelle et pourquoi? Deza moko eloko na ko telema parce que politique comme elengi. Pona komi ko yoka ba puko ba nyaba komi ko telema. Pona bino atako boyaki ko sala nga na jour à marche à l'ENF. Bokanisa ki ezake totika politique mais par contre na yena ba missile non conventionnel on a bandi déjà ko kebisa madame Eve Bazaiba oyo na bandi ko kebisa ndeko nanga Jean-Pierre Bemba oyo na bandi ko kebisa tous les politiciens de Lamuka association de malfaiteurs bokanisa ki ba mabebo ko sala e ko lembi sabiso e ko bangi sabiso to ye de retour avec des missiles pour frapper toute personne qui ne veut pas marcher au principe établi par les législateurs. Merci une fois de plus. Les lona yeka na sujet moko. Les secrets de la démission de Benoît Luamba comme président de la Cour constitutionnelle. Pourquoi cette démission brutale? Pour quelle raison a démissionné ne politique le collège comme kitoko? Nayeli Boson Abino, Nathalie Sabino, Bilengi, yaosa la politique na RDC. Qui est d'abord Benoît Luamba, l'ancien président de la Cour suprême de justice. Parce que en 2006, la Cour suprême de justice jouait trois rôles. En tant que Cour suprême, en tant que Conseil d'État, en tant que Cour constitutionnelle, en tant que Cour de cassation. C'est Benoît Luamba Ayeba qui vérité, il y a l'élection en 2006 entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. C'est Benoît Luamba, Ayeba qui vérité, il y a résultat entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et aujourd'hui, c'est encore Benoît Luamba, a publié Félix Tshisekedi, chef de l'État, Ayeba ba vérité, nous c'est le cas. De vu sa démission, vu l'attaque de Joseph Kabila, pour décider le président Félix Tshisekedi constitutionnellement, il y a un état qui est à temps que ça la passe. N'expliquez pas congolais. Parce que c'est un philosophe moraloba, la mort n'est rien. Mais vivre vaincu sur la terre sans la gloire, c'est mourir deux fois. Tous les cas, tout le peuple congolais, intérêt que ça la politique n'a pas bango. Merci une fois de plus. Avant le déplacement de son excellence, mais c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo, na Bruxelles, na deux jours avant déplacement président Félix Tshisekedi, présence à Monaco boy lettre y a demande d'audience. Nani azo senga demande d'audience, c'est Benoît Luamba. Qui est Benoît Luamba? C'est le président de la Cour constitutionnelle. Non, mais c'est le président de la République. Na lingi na rencontrer yo. Président a fixé date 48 heures avant déplacement na ye. Mais c'est le président de la Cour constitutionnelle, Yagato Koutana. Tête à tête entre Félix Tshisekedi et le président de la Cour constitutionnelle. Demande d'audience n'est Zalaginini, sa démission. Et aujourd'hui, je vous confirme que Benoît Luamba n'est pas le président de la Cour constitutionnelle et n'est pas le président de la. N'est plus le président de la, du Conseil supérieur de la magistrature. Benoît Luamba a déjà démissionné. Nde era kouté le président de la République, yoka maloba ya Benoît Luamba. Mais c'est le président de la République. Je suis menacé à mort. Balingi ba desitié yo. Balingi ba longola yo.
balingi balekisa loi ya obemi na kuna sakata ba trop opposition na yi ndenga en tant que président cour constitutionnel ba pesinga mission wana na ya pona desitie yo président Félix Tshisekedi akamo c'est vrai mais c'est le président de la cour c'est vrai mais je suis à l'insécurité baso lukaba bomanga baso lukaba bomana mama nanga ba boma bande konanga parce que mission diabolique ya Joseph Kabila akomi ko tsango likola mutunanga na desitio constitutionnellement. Ça c'est le président de la cour constitutionnelle, l'ancien président, parce qu'il a déjà démissionné. Président Lobby, vous avez des preuves. Peuple congolais nzambe likola somona mabela bakoko yangoyo alobi j'ai des preuves. Mais monsieur le président de la République, s'il vous plaît, il faut me sécuriser. Alors est tombé deux jours après le président de la République, il faut qu'il y ait une mission secrète et diplomatique na niveau à Bruxelles au to sala que mission dans la sango ya Congo. Président Lobby lokolo sa insécurité na zo bimana yo tozo kende na yo wapi toke no Bruxelles. Le président Fatia Simbi président cour constitutionnelle. Baleki na boulevard Lumumba ti aéroport ba jui avion Bruxelles bakiti. À l'heure actuelle que je vous informe, Bernard Luamba n'est plus en République démocratique du Congo, mais azali na niveau ya Bruxelles. Et démissionné. Maintenant, quel était coup ya Joseph Kabila contre le président de la République démocratique du Congo? Après qu'on luka kosala coup d'état, ya ko bomba président Félix Tshisekedi physiquement ba avion ba lancer ba lance roquette na ba avion Antonov chef de l'État. Baluki ba tenta pour déstabiliser les béton fati ba monike ba kokite ba komi ko tia mutu nyoso na président Benoît o ya cour constitutionnelle. Pression un ezala ki dossier Vital Kamerhe. À chaque fois na domaine Vital Kamerhe bosa ko monne na justice azo samba azolo banini si l'instruction du chef de l'État c'était avec quelle intention, avec une seule intention, dès que parce que le juge naturel il y a Vital Kamerhe, ils allaient cour constitutionnelle, mais ils allaient tribunal. Et dès que sont en assis l'instruction du chef de l'État, pour qu'un jour, comme à la cour constitutionnelle, que le directeur du cabinet du chef de l'État n'agissait pas seul. Il agissait avec le président de la République pour que la cour constitutionnelle puisse interpeller le président de la République. Dossier où on est simbité. Comme maintenant, dans le dossier, il y a une crise dans l'institution, il destitué le président de la République. Conformément à l'article 165 de la Constitution, au cas où le président de la République a violé intentionnellement la Constitution, cour constitutionnelle va s'amuser à président de la République. Et s'imbité. Benoît Lomba Monique, dossier va ressortir la président Félix Tshisekedi. Et qu'on le cate. Pour faire tirer à Zamon Amoukish. Boyaye, yes, ou ta longue lola, qui s'en a mal belé. Batouillon sur Baboye. Son boy président Félix Tshisekedi, ce n'est pas un problème. Mais Bobo Sanate, Fatih Azamouana Moukish, Fatih Azamouana Béton. Tant que Bamonique Makamouane est simbité, Bamonique Bilongo Wana Nyo se légité, qu'est-ce qui s'est passé? Président de la République, Abimisi Benoît Luambo, qui est le président de la Cour constitutionnelle. Mais par rapport à la démission de Benoît Luamba, qui est le président de la Cour constitutionnelle, quelles sont maintenant les conséquences au Ekolanda et Indi Mabey, Boye Bissabana Bakotanda pour potiguer comme il est? Marie Moutou, Marie Frappe, na bimina balabala pour moi senti qu'il y a Béchole, de l'IDPC là, avec méchant, Kabila Totel, Mele Tokate, Koutoumande Fapembe, era za président de la République. Azui Souga Tike, Bele Tala Moutou, comme un mounen, Tokata era. Si vous voulez, Fatih, za président de la République, net au Bangaï, Fatih Béton, Bana Fatih Bango Batelemi. Alors, quelles sont maintenant les conséquences? Il y a démission, il y a président à cour constitutionnelle. Et il y a toujours un avantage. Il y a président Félix Tshisekedi. Conséquence, Zanine, la cour constitutionnelle est composée de 9 juges. 3 juges, Baoutaka, délégué à président de la République. 3 autres juges, congrès entre l'Assemblée nationale et Sénat, Basangani, Babimisi, 3 juges. 3 autres juges encore, conseil supérieur de la magistrature, Batindi, au total, Bakomi 9. Maintenant, du fait que Benoît Luamba a démissionné en tant que président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président Félix Tshisekedi qui fait l'intérim en tant que le magistrat suprême qui fait l'intérim du président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc,
Na septembre, le président Félix Tshisekedi a continué à 9 siges. Président Félix Tshisekedi a commis la majorité na niveau à cour constitutionnel, moyeba de citier exacte, ne plan, il y a Joseph Kabila échoué, ne y a son agitation. Voilà première conséquence. Deuxième conséquence, il y a démission, il y a Benoît Luamba, et Zali Soussounine. Ce pays est travaillé en partenariat na ba pays membre, au Bazana Bango. Mais ba yem saka président de la République, du fait que vous faites partir, il y a un pays où ils ont composé ce pays, tout ça la poste à Joseph Kabila, t'as la nzambe alors à ce monanga. Deux mois et belles soeurs, mon imande, faut pas mener à Mogoboya ou Lukanga. Na yem sa binoga caméra, era au Kenema tête, à zonga tête, bocha te melelo. Topé sa binoga information à vrai. Maintenant, Benoît Luamba, tango ba komi na Bruxelles, na président Félix Tshisekedi, ba koutani, un, na force d'OTAN. Deux, na ba membre à ce pays. Avec quelle mission? Ou est-ce que trouble na ba membre à FCC? Fati moi na mukishi politique ya oleka kutu Yesu Masia. Félix Tshisekedi, papa merci. Nana osala mobilisation pour mandat no esa spécial. 30 ans renouvelables et 3 fois. O lingite mélange avec Tobi Malibanda Mboka. Parce que, tout ça, on a mis ça. Mais quelles sont les conséquences? Bah, mon yete, président Félix Tshisekedi a yambi délégation à OTAN. OTAN est une force collective. Ouais, c'est ici, bah, français, bah, allemand, bah, anglais, bah, américain, bah, c'est une force. Quand la force, il y a OTAN, ouais, déstabilisé qui Kadhafi na Libye. Quand la Bango, on a écouté le président de la République pour le conseil de sécurité na Congo. Voilà le premier dossier. Deuxième dossier, Benoît Luamba, en tant que le président de la Cour constitutionnelle, en partenariat avec la CPI, a signé allégation, oyo lelo toza samedi, administration, y a CPI Bazawa, pour l'affaire, y a un criminel, Joseph Kabila avec sa bande. Qui a signé? Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi, mais c'est le président Benoît Luamba. Nela yangola bomoni lokola bata FCC, ce sont des menteurs, des indisciplinés politiques, des escrocs politiques. Bakengo luka directeur ya cabinet, ya Benoît Luamba pour a imiter signature, ya Benoît Luamba pour ba expliquer peuple que Benoît Luamba démissionné té. À l'heure actuelle na Epsibino, en air, ba buki bureau Benoît Luamba, ba koti na kati ba saisir ba cacher, ba kangi directeur ya cabinet na ye pour na usage de faux et en écriture. Félix Tshisekedi beto mwana mukishi. Tala ne Kabila osagana. Kabila Félix Tshisekedi ne gère pas wana batalamuka. Nabite so ipe bato bala nanga batalamuka baza. Mais bon ça na bino c'est ça l'opposition, c'est la démocratie. Mais Félix Tshisekedi ne gère pas. Félix Tshisekedi azo sala makamute. Félix Tshisekedi boete. Mais Kabila wa ba gérerte. Chadar ye wana so lelat. A komi ko lelake dictature komi na fati ya ko lege pa mubutu. Mais bato yo bino. Bino balo ba kiazo jerete. A komi dictateur ma wana bino. Nena yango na peuple congolais mboka eza koinda. Mboka eza ya kosepela. Mboka komi elengi. Nde yango na lubike na kokanga munokote na kobima. Chafo na yepsa bino so bomoni mutaboy Félix Tshisekedi botika e. Félix Tshisekedi est la personne, la seule personne pour le moment qui peut parler du changement. Voilà. C'est Félix Tshisekedi. Bokosi batwa. Oh, Baluba wana. Mais moi qui vous parle, je ne suis pas Tibiluba. Namubunda idio fayi bandoki. Pour sentir. Félix Tshisekedi au Kangabak. Ne Kabila za contrôlé na babande na yi. Si bozo bona de jour au jour. Président Félix Tshisekedi zo ba sa état d'urgence. Voilà. Et zali pour empêcher ba miyibi ya FCC. Voilà. Ba bi malibanda mboka te. Voilà. Na kacha état d'urgence au bon réseau betama. Bon réseau Betama. État d'urgence, bon réseau Betama. Ce qui est état d'urgence, c'est ça. Mais Kabila n'a pas de Kima Kala. Nous avons dit que Félix Tshisekedi a eu force au Tabazawana. État d'urgence, c'est Bakisami. Pour te battre, il y a une discipline politique. Il y a FCC. Peuple congolais, il y a la mise. Kabila a eu le 17 mai 1997. Naba Botamboula. Munduki kuta sako memeleke na poa. Mais akoma milliardaire. Botuna na te milliardaire akoma wapi? Donc pour la royep sa peuple congolais. Bosangana. Félix Tshisekedi va arrêter toutes ces personnes. Félix Tshisekedi n'est pas un indiscipliné. Félix Tshisekedi n'est pas un dictateur. Azo sala makamo en tant que un démocrate,
en respectant les principes. Nous sommes dans ma campagne à journée. À bientôt. Qui vivra verra. Sambe l'ensemble koufouate. Yepsanzamba ba choua ta 2 semaines, 3 semaines. Au monde à ma campagne, je suis à Liboso. Nous sommes félicit, c'est un dictateur. Un dictateur, mais à salle la politique, on va bien politique les corbeaux et les renards. Kabila n'a manduki. A ce que mon peuple, Félix Tshisekedi a cossié. Bonjour, monsieur Joseph Kabila. Voilà. Que vous êtes joli, voilà. Avec des barbes blancs. Voilà. Je ne peux pas fouiner le passé, voilà. Mais je vais te protéger. Voilà. Mais Lelo Oyo. Lelo Oyo, Fatih a son Kangabatu. Donc, les alliés politiques, il y a un Kangabatu. Bon, prier Nzambe. On va voir ça, la maman, non, papa, non, mais on va voir ça, la Félix Tshisekedi. Pour ce que tu bien. Papa n'a pas peut-être pour pousser. Mais Félix, c'est que la ligne a tiré à la compte dans la banque. Mboke to mama liboso. Qui vivra verra. Sambelanza menzama pa batelayo. Sambelanza mona makambo ya liboso. Oh mona que Félix, c'est que la mona mukish. Qui vivra verra. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Baseya Nenanga. Métamorphose et décollage de la province du Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyan est déterminé à lancer la province du Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus, Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis, historique et réalisation. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent 1 million de dollars dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.